Fabrice Abgral en direct de Roland-Garros, où se déroule en ce moment ce match entre le français Mathias Bourg et Andy Murray. Et les deux joueurs sont dans le cinquième set et Andy Murray est au service pour le gain de la rencontre pour la qualification au troisième tour. Il mène 5 jeux à 3 dans le cinquième set. C'est la deuxième fois qu'il sert pour le match. Il a servi à 5 jeux à 1, mais Mathias Bourg a réussi à débriquer, à revenir dans la partie. Un point important, 30 égalités sur le service d'Andy Murray. Soit c'est une balle de match, soit une nouvelle balle de débreak pour Mathias Bourg. Eh bien non, ah, ce sera une balle de match en faveur d'Andy Murray. La première balle de match de l'Écossais du numéro 2 mondial, chahuté, ballotté, secoué par Mathias Bourg, 164e joueur mondial. Les deux joueurs sont sur le court maintenant depuis 3h33, alors que Mathias Bourg menait dans cette rencontre 2-7 à 1. Mais c'est vrai que là maintenant Andy Murray a pris l'ascendant, même s'il continue un petit peu de douter parce qu'il fait de la résistance, Mathias Bourg. Je vous le disais, puisque Murray a servi à 5 jeux à 1 déjà pour le gain du match, mais Mathias Bourg est là, toujours la première balle de match maintenant pour Andy Murray dans cette rencontre. Il tente un ace, mais la balle est signalée faute par l'arbitre. Ce sera donc une deuxième balle en faveur d'Andy Murray, qui s'est déjà imposé au premier tour en 5-7 face à Radek Stepanek, qui elle a encore embarqué dans une cinquième manche face à Mathias Bourg, que personne n'attendait à ce niveau véritablement sur le court central. Et Andy Murray qui accélère avec un revers long de ligne, et c'est fait. C'est fait pour Andy Murray, qualifié donc pour le troisième tour. Il vient de battre donc Mathias Bourg, 164e joueur mondial, qui a proposé aujourd'hui une formidable résistance à Andy Murray. Il a joué sans complexe, jouant avec l'audace en quelque sorte de ceux qui n'ont strictement rien à perdre. Il a joué complètement relâché, complètement libéré, et il a très sérieusement inquiété Andy Murray. Mathias Bourg a frôlé l'exploit, mais il l'a frôlé seulement. Mais Mathias Bourg, c'est sûr, gardera un énorme souvenir de ce match face à Andy Murray sur le central. Donc victoire d'Andy Murray en 5-7, 6-2, 2-6, 4-6, 6-2, 6-3. Sachez que Richard Gasquet s'est qualifié pour le troisième tour en battant Bjorn Fratangelo, l'américain, en 3-7, 6-1, 7-6, 6-3. Quant à Gilles Simon, il est embarqué dans un quatrième set face à l'Argentin Guido Pella.